Crops like yam, like cassava, you cannot import them. Nigeria produces more than 60% of world production of yam. So if they don't improve on productivity, where can they import from? So this is really a crisis situation for the average Nigerian who feels that food is yam. The YAMSYS project really came into being because of the rate of degradation of the environment that is caused by yam cropping systems. Farmers, they cut down the vegetation to prepare the land for planting. Then they will plant at very wide intervals, having low plant population. They will cut down another portion of the forest to get the sticks that they use to stick the yams. And yam being a very heavy feeder, it removes so much from the soil. So farmers have to constantly move from one place to the other to get more and more fertile soils for cultivation. Now, yam is one of the most important economic crops in West Africa. If we take a case like Nigeria, where they produce more than 60% of the crop, it is after the farmers sell their yam that they can carry out major projects, capital projects, construction, buying of vehicle, marrying, and things like that. Lorsque le projet est arrivé à Léo, les producteurs ont voulu nous mettre au défi parce qu'on leur a demandé un espace pour implanter un essai où on va mettre en place les différentes stratégies de gestion de la fertilité des sols avec des rotations. L'objectif c'était de pouvoir leur montrer que c'est possible de produire l'igname sur le même sol sans devoir aller chaque année couper encore la forêt, la brousse pour cultiver l'igname. To antia ba du piata ne ne vela sana za ta alur besanata besanata wa ha ba yi fanu odi aba pachaka to to tong to ya antat On a collecté les données depuis 2016 et les analyses statistiques de ces données sont en cours. Mais d'une façon générale, on se rend compte que les tendances sont à de bons rendements, pareil entre la fertilisation organique pure et la fertilisation organo-minérale dans nos essais. Et cette tendance peut facilement s'observer dans les autres sites. YAMSYS est un petit peu de voilà de produit de sans sanitaire. Surtout YAMSYS est un petit peu de pire, de barre. A chata a du ha anu du da dia dada atio ba afata anata sapita biardo da sapita. Most of the increase that we find in production has been due to increase in the surface area of production and not increase in yield. Nous sommes dans la parcelle où nous testons la fertilisation organique pure et nous avons apporté environ 6 tonnes de fumier de bétail à l'hectare et cette parcelle se présente mieux comparée aux parcelles qui ont reçu la fertilisation minérale pure et également les parcelles qui ont reçu la fertilisation organique et minérale. Le témoin, là c'est vraiment le témoin, les plantes se présentent mal et les rendements sont généralement mauvais. Et c'est ainsi que lorsque les essais ont été mis en place, en pleine phase de végétation comme actuellement, on organise des visites commentées avec les producteurs qui viennent voir de visu ce qui se passe. Parce que les producteurs sont vraiment impressionnés lorsqu'ils voient un sol difficile comme ça et ils parviennent à produire, ils sont beaucoup plus impressionnés. Et ils choisissent en fonction des différentes rotations, les différents traitements qu'on leur explique, ils choisissent
d'appliquer telle ou telle technique en fonction de leur propre intérêt. Ouais, mais le YAMSYS c'est tout. Ko san ko barnaba den varpia wenten wendim penpia wa den ko no varpia ban banan wenten no wen vala YAMSYS ni tu ko sin ko barnaba de no ma sene den varpia bol ma ban ben wanan bol ne bela belo ko sin ko panaba den varpia pi yebe de banana wa pi balan den ya varsia so ja balde ja vara pamana so ja balde ja vara wondong mama ou bien qu'on a var piara moi pian var ne var piata moi c'est celle du piaroa moi c'est nana du piaroa moi pamna tata ndinka ne piaroa to ya tata chuka. L'idée ce n'était pas d'imposer des technologies aux producteurs, donc nous avons discuté beaucoup avec les producteurs de telle sorte à pouvoir développer des innovations qui seront facilement intégrées, qui pourront facilement intégrer et appliquer dans leur système de culture. Donc, au début, par exemple, le choix des variétés d'igname sur lesquelles il fallait faire la recherche avait été suggéré par les producteurs. Le choix des rotations a également été pris en compte pour que les rotations qui seront mises en place soient acceptées par les producteurs. Donc, il fallait utiliser des cultures qu'ils ont l'habitude de produire ici sur place. C'est pour ça qu'à Léo, nous avons choisi pour la céréale le maïs et les légumineuses, nous avons choisi l'arachide et le niébé qui sont réellement cultivés et consommés par les populations. Sur d'autres sites de YAMSYS, par exemple en Côte d'Ivoire, à Tienengwe, la céréale utilisée pour la rotation c'était le riz, parce que c'est le riz que les producteurs et les populations là-bas consomment comme céréale. Donc tout ça, les discussions avec les producteurs ont permis vraiment de mieux orienter la recherche pour que les résultats qui vont être dégagés puissent être appréciés et appliqués par les producteurs. Ça va être la deuxième récolte qui va servir de semence. Most of the increase that we find in production has been due to increase in the surface area of production and not increase in yield. We have improved varieties. If grown in good soil conditions, you can have between 40 and 50 tons per hectare. But the average yield from the farm is still around 8 to 10 tons per hectare. So if we can have a situation where the same piece of land can be cultivated for several years and we maintain fertility in that piece of soil, then it will stop deforestation. So that is why the YAMSYS project is trying to look at ways in which we can maintain soil fertility for a longer period for sustainable production.